La première question qu'on me pose, c'est pas mais c'est quoi ton prénom? Moi, la première question qu'on me pose, c'est mais toi, du coup, c'est il ou elle? Et moi, j'ai pas la réponse. Pendant mon spectacle, vous faites ce que vous voulez après. Et pendant une heure, tout le monde est queer. Qui est queer dans la salle ce soir? Alors oui, certaines personnes trans font des opérations pour changer, mais en général, on garde le sens de l'humour. Mais mes parents étaient persuadés que j'étais lesbienne. Je l'ai dit à mon meilleur ami, il l'a extrêmement bien pris. Il l'a tellement bien pris qu'on a couché ensemble le soir même. Du coup, j'ai dû annuler mon coming out lesbien. Je pense que je suis sur le passage piéton de la vie, quoi. C'est ça que j'essaie de vous dire. Tu vois, si le trottoir de droite, c'est les hommes, et le trottoir de gauche, c'est les femmes, moi, je suis sur le passage piéton de la vie, quoi. Je suis le passage piéton, apparemment. En grandissant, moi, j'avais pas de modèle de personne qui faisait moite-moite. Il y avait pas de star moite-moite, il y avait pas tout ça. Et c'était dur de grandir comme ça. C'était dur. J'ai écumé tout Internet pour trouver un modèle qui me ressemblait. Et à un moment, j'ai trouvé. C'est le mérou. Je te jure, en plus, le mérou, c'est un énorme poisson de 2 mètres de long. Il a une tête horrible, comme ça. Tu sais, tu comprends son sentiment éternel de vie. La panique, tu sais. Moi, si je devais choisir une identité, ce serait l'identité du doute.